Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait à Djibouti sur la Légion étrangère, sur l'entraînement du 2e régiment étranger parachutiste à Artaplage. Actuellement, ils sont le fer de lance de l'opération Barkhane au Sahel. Alors, Djibouti, c'est minimum 45 degrés à l'ombre et 60% d'humidité. C'est un climat très, très dur, même pour ces troupes d'élite. Je vais donc rejoindre Djibouti pour la deuxième fois cette année, car j'ai fait un reportage avec des commandos parachutistes qui entraînaient des GIs et des Marines qui partaient pour l'Afghanistan. Vous verrez d'ailleurs ce reportage bientôt sur ma chaîne. Nous sommes en juin. Il fait vraiment très, très chaud. Alors le camp d'Artaplage, où je viens d'arriver, est au bord de la mer. Alors c'est là que vivent, pendant la durée du stage, les quelques sections du 2e REP qui sont venues s'entraîner à Djibouti. Je tombe en plein entraînement. Nous partons faire la piste du risque. Pourquoi toujours la sécurité? C'est inadmissible de perdre un bonhomme à l'entraînement. C'est vraiment inadmissible. Pour moi. Si un jour on part à 10 et on revient pas tous, c'est la partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Maintenant, en entraînement, on peut perdre des mecs partout. Ouais. Parce que c'est quoi un accident? C'est quelque chose d'imprédisible qui arrive, on ne peut pas le prédire. Maintenant, si, comme j'ai dit au départ, si au départ on n'est pas serein, qu'on a fait tout le nécessaire pour pouvoir parer à tout accident, au moins à notre niveau, je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de bon travail. Dans un passage particulier sur la piste, pense ici à franchir tous les obstacles. Voilà, c'est tout. Attention, gardez-vous. Non, non, vous avez encore de la peau sur les mains quand vous descendez. Là, ça veut dire que c'est pas bon. À fond. Carlos, c'est le prénom du sergent-chef qui m'accompagne, m'explique pourquoi cette épreuve est importante. Pour mettre la pression. Ouais. Voilà. Il faut que ces légionnaires puissent se dépasser en tout. C'est ainsi qu'ils formeront l'élite de l'armée. Où va-t-on? On va se diviser en trois groupes. Un groupe il va commencer par le début avec moi. Un autre groupe il va commencer au pot de singe, tout en haut, les réceptacles que vous voyez là-bas. Et un autre groupe il va commencer avec un autre moniteur à l'asperge, les tubes métalliques qui descendent. Là. Et pourquoi ça s'appelle la voie de la conscience? Alors, il s'agit de monter une poutre d'une trentaine de mètres de hauteur, puis, et pouvoir passer d'un côté à un autre d'une butte grâce à des câbles. Moi, je commence à installer ma caméra, mais j'hésite. Thank you.
C'est basta, c'est bon ou c'est pas bon? Ça va passer ou ça va pas passer? Putain, allez, monte les jambes là. Arrête de mourir là, putain, monte là. Monte tes jambes là. Allez, monte encore les jambes, les pas, les bras, les jambes. Qu'est-ce que tu branles avec tes mains, bordel? Les jambes montent. En avant. Prends la position correctement, il veut faire n'importe quoi là. Non, arrête d'escalader là. Hé, hey, t'as les failles dans le mur, bordel. Mets les pieds dans le trou là. Voilà. Putain, mais c'est pas possible ça. Encore un lit, jette, tu vas voir. Tu peux demander? Allez Mathis, allez va. Allez va, allez. Il y a un mec du jury derrière, là, il va te rattraper. Vas-y, panine, si tu veux. Non, allez Mathis, tu peux t'en démarrer, il t'attend les chenilles là-bas derrière. Allez, c'est bon, en avant, en avant. Alors, c'est à dire, situation. Sors du vide. Assure-toi là. Allez. Et tape là-bas, putain. Regarde-moi ta mélange de langue. Regarde-moi ton truc. Tanto tu cazzo sarà il pomier, tu mi rassembli tutto il mondo in basso, c'è bon? Ehi, se ti amo tutto qua, te lo dicendo io! Oh! Te lo dicendo, la vita tutto qua, eh! Ti arrivi là? Regarde pas en bas, regarde devant là! Regarde ton monitor là-bas en face à toi! Regarde le caporal chef là! Rentrez au camp d'Artaplage. Le lendemain, les légionnaires vont être largués d'hélicoptère dans la mer. Ensuite, les gars sont récupérés par des Zodiacs.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce récit vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Au revoir.